Yo les trashers, on vous avait promis des news et ça n'a pas loupé. Au programme du jour, la présentation de deux nouveaux trailers sortis récemment. De nouvelles formes d'Alola ont été dévoilées et ça colle plutôt bien avec les leaks qu'on avait présentés sur la chaîne il y a déjà quelques temps. Il s'agit de Ratata et Ratatak d'Alola qui sont bel et bien de type ténèbres. Ils sont... particuliers. Surtout si on prend en compte le fait que les Argoustes aient été introduits à Alola pour chasser les Ratata. Ils se sont donc adaptés à la ville et ont acquis le type ténèbre en échange, une adaptation qui s'est faite dans le sang et le ridicule parce que putain Ratatak est quand même devenu sacrément fat. On apprend également que certains Pokémon iconiques auront leur propre capacité Z, c'est la queue de Raichu qui peut utiliser l'attaque Electro-Surf survolté qui le fait surfer avec sa queue pour foncer sur son adversaire. Bien sûr, il s'agit là d'une grosse référence au surfeur hawaïen, mais ça vous l'auriez deviné tout seul, hein. Le deuxième et dernier Pokémon présenté ayant une attaque Z signature, c'est Ronflex. Alors là, on a droit à un bon repompage de même, comme quoi Ronflex aurait mis 20 ans à enfin se lever. Bref, il obtient l'attaque Garo Ronflex. Les inspirations de cette attaque sont encore inconnues, même si on a bien notre petite idée sur la question. Ah, et on apprend aussi que les précommandes du jeu vous offriront un Guanflex spécial et la Gemme Z vous permettant d'effectuer cette attaque qui est des plus glorieuses, il faut se l'avouer. Passons à la suite avec le second trailer qui nous dévoile que les versions Soleil et Lune auront 12 heures de différence entre l'une et l'autre. Cette particularité qui peut vous sembler minime est très intéressante d'autant plus que certains événements seront différents en fonction de la version sur laquelle vous jouerez. On peut voir notamment que certains Pokémon dominants seront changés d'une version à une autre. De plus, on nous présente une nouvelle... Team, la fondation Aether. On peut voir dans le trailer la présidente de la fondation qui s'appelle Elsa Mina, et on nous souhaite la bienvenue au paradis Aether. Il s'agit d'une île artificielle comme nous le présente un dénommé Sobon, qui n'est autre que le directeur d'Aether. On apprend par ailleurs dans le trailer anglais qu'il s'agit là d'une île privée. Avec cette boîte de dialogue, on comprend très vite que la fondation Aether est en réalité une sorte de SPA pour Pokémon. Et qu'est-ce qu'on lit là? Même les Pokémon venus d'autres mondes ont droit à mon amour. Des Pokémon d'autres mondes? Ça confirmerait pas 100% la théorie des multivers, théorie qui a déjà été évoquée sur la chaîne quand on a parlé de l'épisode Delta de Pokémon Rosa. On apprend que Aether est en opposition directe avec la Team Skull en prenant par exemple les Pokémon pris pour cible par cette dernière pour les accueillir au paradis Aether où les Pokémon en danger sont également recueillis, comme des Coraillons par exemple. Serait-ce un clin d'œil à la polémique du réchauffement climatique? Game Freaks ne serait pas à son coup d'essai en sensibilisation écologique puisqu'ils l'ont déjà fait, souvenez-vous, lors des divers Pokémon Ranger. Nous avons également droit à la présentation des employés, ou des sbires au choix, de la fondation Aether, tout de blanc vêtu, ce qui contraste énormément avec l'uniforme tout noir de la Team Skull. Et en parlant de la Team Skull, on peut les voir essayer de voler un Ramolos, qui bien sûr est une référence au trafic de queue de Ramolos de la deuxième génération. Voilà, les nostalgiques, vous êtes contents, vous avez votre référence. On apprend également que la Team Skull a à son service un homme de main nommé Gladio. Il semble assez agressif et trop tard. Le trash talk est réel et on comprend mieux pourquoi Elsa Mina aurait abandonné son frère. Ah bah oui, il y a quand même une putain de ressemblance, est-ce que ce serait pas un plot secondaire? Qui sait? On nous avait déjà présenté les nouvelles formes de Zygarde, le légendaire un peu OZEF de X et Y qui revient en force dans cette version. Nous rencontrerons au cours de nos aventures deux personnes, Dexio et Sina, qui nous confieront un artefact nommé la boîte Zygarde. Cette boîte, vous l'aurez deviné, permet de réunir les cellules et cœurs de Zygarde éparpillées dans toute la région d'Alola. D'ailleurs, on peut voir dans le trailer le protagoniste qui ramasse une cellule de Zygarde comme ça, au KLM dans les herbes. Finalement, abordons le dernier point présenté dans les trailers, les nouveaux Pokémon. Et y a de quoi dire. Commençons par Bébé Kai, un Pokémon de type dragon. Comme son nom l'indique, tout laisse à penser qu'il s'agit là du premier stade d'un Pokémon plus badass. Par contre, il est moche quand même. Contrairement au Pokémon révélé dans un autre trailer anglais, l'évolution de Cutiefly. Oh bordel, il est trop chou. Il a une petite écharpe toute mignonne et semble avoir une forme humanoïde. On ne connaît malheureusement pas encore son nom, mais l'information ne devrait pas tarder à arriver, peut-être dans les jours à venir. Mais ce n'est pas fini étant donné que nous avons encore droit à deux Pokémon plutôt mystérieux, type 0 et UC1. UC qui semble être l'abréviation d'ailleurs de Ultra Chimère. On ne sait pas grand chose d'eux, sinon que type 0 est de type normal, et il ressemble vaguement à un Arceus, sauf qu'il a été créé par l'homme. Type 0 est le fruit de la synthèse des forces de plusieurs Pokémon, cela lui permet de s'adapter à toutes sortes de situations. Il aurait été créé pour rivaliser avec les légendaires, aucune autre information, il possède toutefois le nouveau talent Armu Baston, qui pour le moment demeure un mystère. Concernant UC1, eh ben on en sait encore moins que pour type 0, sinon qu'il s'agit d'une ultra chimère et que certaines personnes pensent que ses mouvements sont aussi gracieux que ceux d'une jeune fille. Ah non, les fils! Partez! Partez!
Sinon, nous avons également le Pokéscope, une petite fonctionnalité qui a été rajoutée et qui ravira encore une fois les nostalgiques de l'époque Pokémon Snap. Pas mal d'informations en somme, mais il semblerait que Pokémon Soleil et Lune n'ait pas encore tout dévoilé, loin de là. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez être mis au courant le plus rapidement possible, moi je vous dis à la prochaine, ciao!